Nettoie et décore avec moi, c'est maintenant dans la vidéo du jour. Dans cette vidéo, je vais commencer par nettoyer ma table à manger, la dépoussiérer, mettre mes chaises sur ma table et ensuite je vais passer au coin salon. Pour le coin salon, je vais commencer par dépoussiérer mon meuble TV et ma télévision avec mon plumeau Swiffer. Et ensuite, je viens nettoyer mon écran de télévision avec mon chiffon magique Ilbase. Je passe ensuite à ma cuisine, donc je vais ranger tout mon plan de travail et je vais ensuite venir le nettoyer. Et donc pour nettoyer mon plan de travail, j'utilise tout simplement mon produit multisurface fait maison, composé de 2 tiers de vinaigre blanc, 1 tiers d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle. Je continue le nettoyage de la cuisine en rangeant le coin cuisson, puis je finis par un bon coup de nettoyage, la plaque de cuisson, la plaque en verre d'eau et le coin petit déjeuner, toujours avec mon produit multisurface fait maison. Je passe ensuite à mon évier, donc je vais venir faire ma petite vaisselle, il n'y avait pas grand chose mis à part la tasse de ambre et bien évidemment mon extracteur de jus, je vais y arriver. Et ensuite je vais venir nettoyer mon évier tout simplement. Et pour mon évier en nettoyage quotidien, j'utilise aussi mon produit multisurface fait maison vu qu'il y a du vinaigre dedans, c'est un anti-calcaire. Ensuite, je vais mettre mes tabourets de bar sur mon bar. Je vais ramasser tous les petits colliers de mes filles que vous voyez par terre. Je vais ranger l'entrée, ranger les chaussures, dépoussiérer les deux meubles avec mon plumeau Swiffer. Et nous passerons ensuite au nettoyage de l'aspiration de la pièce ainsi que la serpillière. Pour passer l'aspirateur, j'utilise mon Ultenic U10, donc si jamais il vous intéresse, il est commandable sur Amazon et vous avez le lien directement en barre d'information. Cette vidéo a été tournée sur plusieurs jours, donc vous pouvez me voir habillée de différentes façons tout simplement parce que j'ai dû aller acheter ma déco, j'ai dû attendre mes tringles de rideaux arriver et donc ça a été fait sur plusieurs jours, mais le gros nettoyage a été fait le même jour. J'ai d'ailleurs rangé le deuxième aspirateur que vous avez vu en début de vidéo tout simplement parce que c'est un aspirateur que j'ai testé et que je vais donner à des amis puisqu'ils font leur crémaillère bientôt. Je ne le garde pas pour un concours tout simplement parce que j'ai déjà un aspirateur en attente à vous faire gagner. Et pour passer la serpillière, j'utilise tout simplement ce balai qui vient de chez Action avec une microfibre. Et dans le réservoir, je mets de l'eau chaude et de l'alcool ménager à la pomme et ça me laisse vraiment aucune trace sur mon carrelage. Et voilà le résultat, la pièce de vie est toute propre, je peux aller faire les courses et commencer la déco.
Sur ma seconde chaîne By Gaël, je vous avais dit qu'on allait avoir un chat. Du coup, j'ai acheté un petit siège pour le chat. Ouais, j'ai craqué. Mon mari m'a dit, t'as craqué. Et il m'a dit, pour le chien, c'est moi qui irai chercher les affaires parce que là, ça va pas. Donc, j'ai pris ce petit siège que j'ai payé aux alentours des 24€ chez La Foirefouille. J'ai pris un arbre à chat à Leclerc que je vais commencer à monter avec vous. Et je vais le finir toute seule puisque j'ai galéré pour monter l'arbre à chat. J'ai recommencé pendant 3 fois, pardon. J'ai pris du temps, j'ai mis une bonne heure en fait. Et une fois que c'est fait, je repasse un coup d'aspirateur et je mets l'arbre à chat en place. Et le petit cheval, je vais le vendre puisque les filles n'y vont plus. Et je peux donc aller faire les courses et vous montrer tout ça. Alors, pour les courses, donc j'ai été à Intermarché, à la boucherie et à la boulangerie. Parce qu'il n'y avait pas des choses que j'ai pris à Intermarché. Donc, j'ai pris en surgelé des nuggets de poulet. J'ai pris du merlu, canne merlu blanc, comme ceci, c'était en promo. Sachant que c'est un retour de course spécial promo puisque je pense acheter que de la promo prochainement, faire un stock, avoir un petit stock à la maison parce que les choses sont de plus en plus chères, donc faire comme ils font à La Réunion ou d'autres personnes telles que Imen de la chaîne Home Life Kitchen. Donc j'ai pris une brioche tressée au sucre, j'ai pris des gaufrettes comme ceci, j'ai pris 1 kg de penne, j'ai pris des compotes. J'ai pris un look orange style Fanta, voilà, mais bon, c'est la marque Intermarché. J'ai pris mon infusion, c'était en promo. J'ai pris du riz Le Camalis, c'est un riz parfumé long. Ensuite, j'ai pris des Danone velouté Frux parce que la marque Intermarché, il n'y en avait plus malheureusement. J'ai pris de la crème dessert, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. J'ai pris des liégeois, j'ai pris une boîte de mouchoirs parce que vive les allergies, quoique maintenant, ils commencent à en avoir moins. J'ai pris du papier cuisson parce que j'en avais plus. J'ai pris 4 filets d'orange à 1,49€ les 1,5 kg, donc j'ai pas tout sorti, mais j'ai 4 filets d'orange. Ensuite, c'est les promos beauté à Intermarché. Donc, j'ai pris des choses qui sont entre moins 40 et moins 60%, voire moins 70. Donc, ça vaut le coup. Donc, j'ai fait le stock de dentifrice par 3, de gouffes. Donc, je sais plus les promos, mais franchement, je vous invite à aller à Intermarché parce que ça valait vraiment le coup. J'ai payé 1€ et quelques les 3 pour vous dire. J'ai pris... des crèmes anti-rides OQ10 sensitives apaisant, une de jour, une de nuit. J'ai pris des couches culottes autonomie up. Le paquet me revenait à 3€. C'est des petits paquets, mais en gros, si vous prenez 2 paquets, ça vous revient à 6€ et ça vous fait l'équivalent d'un gros paquet, mais pour 4€ moins cher. Du coup, il y a une 20aine de couches à l'intérieur. Et moi, 40 couches, ça va me durer 40 jours, quoi, vu qu'elle met une couche que la nuit. Ensuite, j'ai pris du papier toilette, un acheté, le deuxième à moins 68. J'ai pris un gel douche comme ceci, Nae, revitalisant. J'ai pris un gel douche Label au Monoï. J'ai pris un gel douche à l'huile de coco et fleurs d'hibiscus. Donc, j'ai fait le plein de gel douche. J'ai pris un gel douche à l'extrait d'aloe vera. Un autre gommant abricot et sucre, un autre gommant toujours stimulant, fleurs de lotus et algues bleues, un autre huile d'argan et rose, et un autre, le bouchon il s'est un peu pris, grenade et melon, le bouchon est un peu de travers. J'ai fait aussi le plein en shampoing. Donc déjà j'ai pris un gel désincrustant anti-point noir pour moi de Garnier. Parce que je sens que ma peau elle est pas bien en ce moment. J'ai pris un autre gel nettoyant purifiant comme ceci. J'ai pris un shampoing énergie fruit. Il paraît que cette marque elle est extra à l'huile de monoï et macadamia. Donc ce sont pour les filles. J'ai pris pour moi un shampoing couleur éclat Sobio.
J'ai pris pour les filles, un shampoing nourrissant énergie fruit sans sulfate. J'ai pris un shampoing reflet doré à la camomille spécial cheveux blonds. C'est pour les filles parce que plus l'été approche et plus elles deviennent blondes avec le soleil. Et pour moi, j'ai pris un shampoing purifiant au thym et au citron parce que j'ai en ce moment les racines grasses. Et donc voilà, je vais tester. Et j'ai aussi pris 2 packs d'eau ici présents. Donc voilà, à Intermarché. Ensuite, j'ai été à la boucherie, donc j'ai pris un paquet de saucisses de campagnarde, voilà. J'ai pris un paquet de caisses de poulet, voilà, comme ceci. J'ai pris un rôti de veau, comme ceci. J'ai pris 2 paquets d'araignées de porc, thym et citron, voilà. J'ai pris de la viande à bourguignon aussi. Et j'ai été au traiteur et à la poissonnerie juste à côté et j'ai pris de la brandade de morue. Et c'est pour ce midi. Et c'est fait maison. Ils font tout maison là-bas. Donc on va tester, on va goûter, voir ce que ça donne, si ça vaut le coup, si ça vaut son prix. Et ensuite, à la boulangerie, j'ai pris une baguette. J'ai pris aussi du pain de campagne tranché puisqu'il n'y avait plus de pain de mie en promo à Intermarché. Et j'ai aussi pris le craquage du jour, donc il y a de la buée parce que c'était au congélateur, enfin leur truc réfrigéré, des macarons. Voilà, j'ai craqué, ça c'est mon craquage, hein, moi, on va manger, on va en goûter tout à l'heure. Après, ce sera mon petit dessert, donc une boîte de 18 et je vais voir s'ils sont bons ou pas. Donc voilà pour le retour de course. Et cette semaine, comme je l'ai dit, j'ai pas des l'eau fraîche, donc tous les gels douche, je vais essayer de les ranger dans ma salle de bain ou dans mon meuble ici. Et au fur et à mesure, je vais faire un stock. Dès que je vois des trucs en promo, je vais faire un stock pour ne jamais être en rupture. Ça va être la même chose pour tout. Donc, les retours de course seront assez conséquents prochainement pour acheter de la promo, mais de la bonne promo, pour que ce soit en stock chez moi et pour ne plus avoir à payer plein pot les produits. Une fois les courses rangées, je vais venir nettoyer mes baies vitrées parce qu'elles étaient clairement très sales, hein. Je les ai pas nettoyées de tout l'hiver. Donc pour ce faire, j'utilise toujours mon chiffon magique Ilbase bien mouillé, mouillé, essoré. Et voilà, je nettoie et ça laisse vraiment aucune trace, sachant qu'en plus là, il n'y a pas de soleil. Donc franchement, c'était nickel. Et ensuite, je vais venir nettoyer le rail de mes portes avec un aspirateur dans un premier temps. Et dans ce second temps, je vais tester le Carolin au savon de Marseille. Et franchement, il fait plutôt bien l'affaire et je trouve qu'il sent très bon. Je vous ai pas filmé le nettoyage des 2 doubles vitrées pour ne pas que ce soit trop long, mais j'ai fait de l'autre côté aussi et j'ai après attendu que mes tringle arrive et que mon beau-père arrive aussi pour me les monter, mais me les fixer tout simplement parce que mon mari y travaillait et clairement il n'avait pas le temps de me faire ça en pleine semaine. Et voilà le résultat, les rideaux sont posés. Je vous laisse sur cette fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Dites-moi ce que vous en pensez de mes rideaux en commentaire. Donc là, le but, c'est que c'est des doubles tringles. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc comme vous pouvez le voir, il y a double tringle. Donc là, prochainement, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher des rideaux en lin style terracotta, couleur terracotta, pour apporter un peu de couleur et réchauffer la pièce parce que sinon c'est trop blanc et noir. Et rajouter des coussins terracotta aussi. Dites-moi un peu quelle couleur vous voyez en double rideau juste ici. Donc sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao !